Eh bien, salut tout le monde, ici ChrisBlack38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle série de tutoriels donc sur CryEngine 5. Comme vous avez dû le remarquer sur ma chaîne, j'avais déjà fait des tutoriels 4 ou 5 sur CryEngine 3. Donc là, cette fois-ci, je me suis enfin décidé, je vais vous lancer les premiers tutos sur CryEngine 5 pour vous apprendre à le maîtriser comme le 3. Donc il y a eu quelques petits changements, surtout au niveau de l'interface, vous le verrez. Moi, dans cette première partie, je vais vous apprendre à créer votre projet et ensuite y apporter des assets. Donc les assets, c'est ce qu'on achète sur le marketplace, donc sur leur site. Voilà, ça charge. Hop. Donc sur ce site là, vous verrez, il y a plein de petits assets à télécharger, notamment ils sont payants, alors ça faut vraiment faire gaffe. Il y en a quelques-uns qui sont gratuits. Donc moi je vais surtout vous montrer ceux qui sont gratuits, donc pour les voir ils sont là, My Assets, voilà, je mets ça en plein écran. Donc ça c'est tous les assets que j'ai déniché un peu sur le site, donc vous verrez, je vous mettrai dans la description un lien vers le magasin, comme on va dire. Sauf un que je n'ai pas encore installé, c'est celui-ci qui est un peu lourd, 4,1 Go. Là ça vous, par rapport aux petits assets que j'ai téléchargés là, moi je vais juste vous montrer sur des petits fichiers, genre type les herbes ou les arbres, enfin voilà, je vais vous montrer tout ça après. Donc là c'est comme vous pouvez le remarquer, surtout maintenant on passe par un launcher pour avoir accès à CryEngine. Donc là c'est pareil, alors je tiens à vous dire que CryEngine 5 n'est pas gratuit. Il faut en fait tout simplement aller sur le site, se créer un compte, l'acheter en fait. Mais en fait quand vous l'achetez, vous choisissez vous-même le prix, si cela n'a pas changé. Moi j'avais versé quand même 9,90€, donc le prix du CryEngine 3, j'étais assez gentil. J'aurais pu aussi bien mettre 2 ou 3 euros, et une fois que vous avez payé, que vous avez versé votre somme, et ben là il vous donne accès au logiciel. Donc voilà pour ça. Alors on va commencer. Donc moi j'ai déjà un projet en cours. Donc on va en créer un nouveau, on va cliquer donc tout simplement sur New. Donc là on a différentes mises en scène pour le projet. Moi j'utilise celui de base, donc c'est en C++ ou alors c'est celui-ci. Je vais donner un petit nom, moi je vais mettre YouTube, tout simplement, moi ce sera plus simple pour moi par la suite. Vous choisissez aussi notamment la version du CryEngine 3. Donc moi je vous conseille la dernière pour être sûr de ne pas avoir des petits problèmes. La 5.0 et la 5.1 sont pas très conseillées, je vous dis direct pourquoi, vu que c'est les premières versions qu'ils ont sorties, elles sont pas stables du tout et vous risquerez de rencontrer pas mal d'erreurs. Je vous conseille surtout la 5.3. Donc là ensuite vous faites Create Project. Voilà, une fois que c'est fait, vous revenez sur cette page, là vous faites Launch Editor. Donc normalement le launcher va se lancer, vous verrez. Il faut juste attendre un petit peu. Donc je précise, vous avez, quand vous cliquez sur le verrou là, vous avez Launch Editor, Launch Game, donc l'éditeur pour avoir accès automatiquement, bah, voilà, pour éditer son jeu, et l'Open Game pour le tester tout simplement. Alors une fois que vous êtes dessus, logiciel, vous verrez, il n'y a rien, c'est tout à fait normal, c'est pas comme CryEngine 3 où quand vous le lancez, une fois que vous avez choisi le nom de votre comment dire, de votre projet, là vous avez directement tout qui est chargé, vous avez l'eau, tout ça. Non, bah, sur le CryEngine 5 ils ont changé, il suffit tout simplement d'aller dans File, New, et là vous redonnez le nom, donc moi je mets YouTube, Folder, ça c'est dans le dossier que vous voulez enregistrer par défaut, Level, ça c'est la résolution, donc plus ça va être minimum, plus ça va être moche, moins ça va demander en performance, plus ça va être gros, plus ça va être mieux, mais plus ça va demander en performance. Après c'est à vous de voir en fonction de votre PC, moi je prends... en général 2048 × 2048, ça arrive parfois d'utiliser celui-là, mais pas tout le temps. Après meter per unit, alors ça je sais pas trop ce que c'est, moi je vous conseille de laisser à 1. Texture dimension, là je vous conseille aussi de laisser 4096 × 4096, ça après si vous le mettez plus haut c'est vraiment en fonction de vous et de votre PC, donc voilà. Après terrain, color, multiplayer, je vous laisse choisir, mais je vous conseille de plutôt laisser A8, high quality terrain texture, laisser cocher ou décocher, tout dépend de votre PC, c'est à vous de voir. Moi ensuite une fois que c'est fait vous faites OK, donc vous laissez charger, ça prend quelques secondes, donc voilà,
Voilà. Et là, on est sur notre projet. Donc, si vous avez la caméra qui est trop lente comme moi, tout à fait normal, vous appuyez sur Z, ça change la vitesse. Et après, avec la touche Shift, vous pouvez accélérer. Voilà, donc là, on est sur l'interface du CryEngine 5. Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous verrez que vous avez un dossier Object, mais vous avez que dalle dedans. C'est tout à fait normal en fait, tout simplement, comme je vous dis en début de vidéo, le premier tutoriel consiste à importer les assets afin de pouvoir voir les premiers bâtiments, les textures de l'herbe, les textures des arbres, tout ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bien fermer le logiciel avant de le faire. Donc je l'avais lancé pour vous montrer. Ensuite, vous allez sur votre le verrou, vous faites de votre projet, donc moi c'est YouTube, vous faites Revel in Explorer. Donc là, ça va vous emmener vers le dossier en fait de votre projet. Et ce qui est bien maintenant par rapport au 3, c'est que pour notre projet, on a enfin un dossier où on a l'exécuteur et tous les fichiers qui concernent notre projet, pas comme CryEngine 3. Vous allez y chercher dans le dossier de CryEngine 3, les trier, tout ça pour avoir vraiment le minimum. Et là, on a enfin ce qu'il faut. Au moins ce sera plus simple pour vous par la suite, une fois que vous avez bien fini votre projet, que vous êtes sûr que c'est à peu près nickel, vous l'envoyez à des amis, vous le testez ensemble et eux par eux-mêmes vous diront ce qu'ils en pensent, tout ça. Donc voilà, alors une fois que je suis dans ce dossier là, on va aller tout simplement dans Creux les amis. Désolé pour cette petite ellipse, il y avait mon chat qui voulait tout simplement en sortir. Donc je disais, voilà, on va aller dans, une fois que vous êtes dans le dossier de votre projet, vous allez dans assets, et c'est là dedans que nous allons tout simplement importer les assets. Donc éventuellement il faut retourner je vois pas avec ma webcam, ça me saoule. J'ai cliqué sur un truc, je sais même pas, voilà. Au pire j'avais sur le truc là, je suis con. Bref, c'est pas grave. Librairie, my asset, voilà. Et là ensuite, une fois que vous êtes là dessus donc moi je vais en prendre un petit, un truc pas trop lourd et un truc allez simple, genre Wilderness Asset. Allez, vous cliquez dessus, vous avez sur la petite flèche là, vous faites Revel in Explorer, et là ça va vous emmener tout simplement vers le dossier de l'asset, et ensuite vous prenez tout simplement Object, hop, et vous le collez ici, voilà. Une fois que c'est fait, normalement, vous verrez naturel, voilà, round, hop. Et on a bien le dossier sphère CFG qu'on avait, CGF, pardon, qu'on avait tout à l'heure dans le CryEngine. Ensuite, je vais vous mettre un autre asset, parce que vous verrez que, une petite chose qu'il faut vraiment faire attention. Non, celui-là non, je crois que c'est plus vers la fin, peut-être lui. Voilà. Vous verrez, vous avez parfois un dossier aussi fichier pack, enfin un fichier pack, voilà, qui peut avoir n'importe quel nom. Ça en fait, il faut tout simplement le prendre, Crytek, hop, vous le copiez, et non, faut pas le coller là, bien sûr. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, voilà, je me disais bien, je m'étais trompé de trucs. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça m'a complètement embrouillé. Vous le collez là. Voilà, tout simplement là, vous verrez, vous avez un texture.pack, et en fait c'est tout con, faut tout simplement les mettre ensemble. Après, pour le fichier Gips, alors ça, object, que je vérifie ce que je fasse pas de conneries. Non, le fichier, le point Gips, je crois pas qu'il serve à grand chose, mais je préfère être sûr. Je vais quand même le mettre au cas où, vous n'êtes pas obligé de le faire ou c'est comme vous voulez, mais normalement il n'y a pas besoin. Donc une fois que c'est fait, on retourne sur CryEngine Launcher. En plus c'était juste dessous. Voilà, vous revenez là et vous relancez votre projet. Donc Launch Editor. Et donc je pense que dans la deuxième partie, je vais vous expliquer un petit peu l'interface, tout ça, question de bien vous repérer. Donc comment mettre de l'air, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui ont changé. Changer le cycle jour et nuit, le temps, tout ça, toutes ces petites choses, je vous expliquerai dans la deuxième partie. Donc voilà, voilà. Alors, à chaque fois, je tiens à dire que à chaque fois que vous lancez, il faudra à chaque fois aller dans File, Open et réouvrir à chaque fois votre projet. Pour pouvoir l'éditer. Donc.
Hop là. C'est fait. Chaque fois, il faut changer la vitesse. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un dossier object et là, natural, ground et même à crytek à sec. Alors ça, c'est le fichier .pack que j'ai mis tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment simple. Au début, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver. Et en bidouillant un peu et en cherchant un peu, j'ai fini par trouver par moi-même. Donc voilà, j'ai décidé donc de vous faire un petit tutoriel en français pour ceux qui galèrent à ce niveau-là. Donc voilà, quand je clique là, ground MV plant, que je le prends. Et eh bien on a un asset, ouais, ouais il est rouge, je sais pas si c'est normal. Toc toc toc. Ouais, celui-là il est pas bugué, voilà. Donc, nickel, vous voyez c'est importé. Donc voilà, à ce niveau-là. Ça marche pareil pour tout, tout, tout. Je précise que ce soit IA, les modèles 3D, les textures, c'est tout pareil. Il faut tout y mettre dans votre dossier asset de votre projet. Donc voilà, donc c'est surtout ça qui fera du poids sur votre projet, tout dépend des assets que vous achetez et même que vous ajoutez. Donc voilà, voilà. Donc moi je vais sauvegarder pour la prochaine partie. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour créer un jean ou l'acheter du magasin. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Puis si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je pense que vous avez dû remarquer avant que je vous quitte sur ma page Facebook. J'avais mis une petite annonce concernant une prochaine vidéo. Du coup, je vais upload celle-là avant. Et prochaine vidéo sur un jeu qui vient tout juste de sortir, qui m'intéresse beaucoup, vous verrez ça d'ici quelques jours. Donc je suis tout juste en train de préparer. Donc voilà, voilà. Bon bah sur ce, je vous laisse aussi avec le petit mystère. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace les amis.